Salut, c'est quoi de neuf? J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Nicolas Sarkozy, je suis sûr que lui aussi brille de revenir, a confié l'ancien président de la République François Hollande à nos confrères du Sud-Ouest, le 2 novembre dernier. Une petite phrase qui pourrait très bien démontrer un possible retour en politique de l'ex-locataire de l'Élysée. Pourtant, le membre de Parti Socialiste assure au journal local que « j'ai réussi ma vie et la vie est ainsi faite de transmissions qui se font ». Lors d'un entretien avec le média La Nouvelle République, ce vendredi 5 novembre, François Hollande a également précisé « il faut se garder de ce type de paroles définitives. J'ai été président. Je ne suis pas du tout pris par le démon de l'ambition à tout prix. J'essaie d'être utile à mon pays, de faire partager mes convictions, de donner ma vision du monde. Même si ce ne sont que des rumeurs, l'ancien président n'a donné aucune réponse concrète. Cependant, le 1er décembre 2016, l'éventuelle candidature de François Hollande à la présidentielle de 2017 avait déjà fait débat. Encore en fonction, il avait finalement affirmé qu'il ne se représenterait pas. Une annonce qu'il juge, avec de recul, un peu trop précipité à rapporter Sud-Ouest. J'aurais dû attendre février, quand on voit comment la campagne a tourné, a-t-il déclaré à Sud-Ouest. 4 semaines après le passage de Nicolas Sarkozy à la librairie Arcane de Châteauroux, son successeur François Hollande a là aussi pris son fauteuil. L'ex-président socialiste était sans tour en séance de dédicace pour son dernier ouvrage, Affronté. Dans la file d'attente, on retrouve évidemment plusieurs militants de gauche, des militants parfois un peu perdus à 6 mois de l'élection présidentielle. La candidature du Parti Socialiste à Hidalgo est loin de provoquer l'enthousiasme. Elle qui stagne à 5% dans le dernier sondage d'Aris Interactive pour Challenge. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.